Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui, par an du film La Belle et la Meute, réalisé par Kaouter Benania. L'histoire, c'est celle de Mariam, qui, lors d'une fête étudiante, va rencontrer le jeune Youssef. Ensemble, ils vont le sortir quelques instants de la boîte où il se trouve pour prendre l'air. Et en fait, on va retrouver Mariam quelques heures plus tard, en état de choc, complètement bouleversée. Et Youssef va essayer de l'aider à traverser une dure épreuve que, malheureusement, elle a vécue. J'évite de dire ce que c'est cette épreuve parce que c'est l'essence même du film. Et puis, si vous êtes un petit peu curieux, vous saurez ce que c'est parce qu'en fait, c'est basé sur un fait divers qui est arrivé à Tunis. Un fait divers qui a défrayé la chronique lorsque ça s'est passé parce que clairement, c'est un fait divers qui a révélé une horreur qui malheureusement se passe un peu partout dans le monde, encore aujourd'hui, et dont on en apprend les travers un petit peu chaque jour. Et c'est un film que nous livre Kauter Benania, dont il s'agit du deuxième long métrage de fiction, qui est extrêmement fort, euh, j'ai rarement vu une œuvre qui prenait autant de spectateurs aux tripes, qui refuse de le prendre par la main et d'être gentil avec lui. C'est un film coup de poing. C'est pas un film dont vous allez ressortir indemne, ça c'est clair. C'est le genre de long métrage qui fait mal, mais qui fait mal de manière très élégante, parce que c'est un film qui est coup de poing dans un sens, c'est un film qui est violent mais qui n'est jamais abrupt, c'est un film qui parle d'une thématique extrêmement difficile, mais qui en part toujours avec une grande subtilité. Et là-dessus, Kauter Benania, elle a livré un film qui est important, je pense, qui est nécessaire, même dans un sens, qui va dans une certaine veine du cinéma du Moyen-Orient et, et nord-africain, qui est important aujourd'hui parce que c'est un film qui parle de la condition des femmes. Et les femmes, malheureusement, dans ces pays-là, on va dire que ce n'est pas des films qui sont très ouverts au niveau de la condition de la femme, malheureusement. Au niveau de l'écriture, Kauter Benania s'est basé sur un fait divers. Alors, petite anecdote, lorsqu'elle a lu le scénario, la jeune femme qui, à qui c'est arrivé, elle l'a pas du tout aimé en fait. Elle a trouvé que ça s'échappait un petit peu trop de l'histoire vraie. Mais c'est quand elle a vu le film qu'elle a pris conscience qu'au final, c'était peut-être important que ça s'échappe un petit peu de la réalité. Parce que l'écriture de Kauter Benania repose avant tout sur l'idée que ce personnage de femme va vouloir pendant toute une nuit faire valoir ses droits. Mais dans un sens, ce qui est très bien foutu au niveau de l'évolution dramatique et émotionnelle de ce personnage-là, c'est que c'est au bout de cette nuit que finalement elle va vouloir faire valoir ses droits. Que pendant toute une nuit, on va voir un personnage évoluer constamment et prendre conscience en fait de ce qui se passe autour d'elle et de ce que ce monde refuse de lui ouvrir et refuse de lui montrer. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'immersion du spectateur se fait très subtilement tout au long du film. Ça n'est pas une immersion qui se fait dès les premières minutes, même si forcément l'immersion se fait très bien, c'est plus par le biais de la scénographie dont on parlera après. Mais en termes d'écriture, cette évolution et cette immersion et cette compréhension du personnage central se fait tout au long d'un récit où on va la voir évoluer. Ou à des moments où on va se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça ?» À d'autres moments, on va être complètement avec elle et on va se dire « Vas-y, résiste, tu peux le faire, tu peux !» te lever face à ces hommes qui veulent absolument te mater et c'est très très bien foutu là-dessus parce que le résultat l'écriture repose avant tout sur une catharsis qui va jamais être de l'instant mais qui va être sur la longueur du film qui va évoluer au fil que l'aventure se développe et au fil que le spectateur va comprendre cette jeune femme et va saisir en fait à la fois pourquoi elle a peur mais pourquoi elle se doit de se lever et pourquoi elle se doit de résister face à ces hommes c'est hyper dense que Kauter Benania a écrit et c'est hyper justement foutu en termes d'écriture et en termes d'immersion de spectateurs et surtout en termes d'évolution narrative parce que résultat le film ne se cristallise pas sur un seul instant mais se développe tout du long. Et en plus, le fameux instant de bascule n'est jamais montré. Et là-dessus, ça permet une très très jolie tension et ça donne un ton proche du thriller à l'ensemble de l'écriture du film. En termes de mise en scène... Le film est découpé en 10 plans-séquences. 10 plans-séquences qui vont nous faire traverser tout le long de la ville de Tunis dans différents euh, endroits. Et en fait, les plans-séquences représentent des lieux. Des lieux dans, laquelle, dans lesquels le personnage de Marianne va se retrouver à aller pour évoluer au fur et à mesure que son histoire avance. Parce que le film se passe donc sur toute une nuit. En gros, c'est uniquement sur une nuit. Du coucher du soleil jusqu'au lever de celui-ci. C'est hyper ambitieux de faire 10 plans séquences. Et d'ailleurs, le producteur, lorsqu'on en a parlé avec lui, si vous avez vu la vidéo qui parlait de ça, il a dit que c'était ce qui lui faisait le plus peur, mais en même temps, il a dit que c'est ce qui donnait le plus envie de faire ce film, parce que le résultat, c'était à la fois hyper ambitieux, et en même temps, c'est ce qui allait donner le cachet au long-métrage. Et c'est ce, ce qui allait surtout créer une dimension extrêmement forte en fait au film, et au propos de celui-ci. Ça se ressent, clairement. Après, le gros souci et résultat qu'il y a au milieu de cela, c'est que c'est un peu trop didactique dans le sens où... La mise en scène se découpe toute seule en 10 plans séquences. C'est-à-dire qu'il y a des cartons qui arrivent face cam et qui nous montrent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Et résultat, ben ça casse un petit peu l'immersion résultat parce qu'on est dans le sens c'est trop découpé. Et résultat lorsque les plans séquences redémarrent, il y a cette espèce de cassure qui nous fait sortir en fait du film et qui nous fait prendre conscience en fait qu'on regarde un film et plus qu'on est en train de suivre une histoire et qu'on est dedans. Heureusement, Kauter Benania, au travers de sa mise en scène, arrive à nous faire oublier ça dès le moment où le plan séquence se remet en route et dès le moment où on est à nouveau dedans. Mais, Franchement, elle aurait pu être plus subtile là-dessus, c'est un petit peu dommage parce qu'au résultat au-delà de ça, le travail des lumières est sublime, le travail de scénographie et de confrontation entre les personnages est très très bien fait parce le résultat, on a cette caméra qui est très flottante et ce travail de steadicam qui suit l'ensemble des personnages et qui fait ressortir la dimension, on va dire dominatrice des hommes sur cette jeune femme et elle qui se bat pour faire valoir ses droits et qui est face à elle. Je prends comme exemple la scène d'interrogatoire de fin qui est d'une puissance cinématographique absolument dingue, qui use de la dimension des cadres et de la puissance de ceux-ci avec une justesse folle. Enfin, Clairement, Kauter Benania, en termes de mise en scène, elle est à des milliers de kilomètres de ce qu'on fait habituellement sur ce genre de sujet. Elle est hyper inventive et hyper immersive. Au niveau du casting, on retient surtout deux acteurs principaux qui sont Mariam El Farjani et Ghanem Zreli. Qui sont vraiment très très bons dans les rôles de Mariam et Youssef. Mais dans les rôles secondaires, on retient également Nouman Hamda, Mohamed Akari, euh, Shledi Arfaï et Anissa Daroud, qui sont vraiment très très bons eux aussi. Enfin, quand même, Mariam Alferzani, elle est sublime cette actrice. Genre vraiment, elle est extraordinaire du début à la fin du film. Elle a une interprétation qui porte tout le long métrage. Enfin, elle est juste folle. Genre vraiment, elle est le film et elle porte le film sur ses épaules. Elle est extraordinaire. Et au final, La Belle et la Meute, c'est un film qui est juste, qui est fort, qui est puissant, qui ne laisse pas le spectateur indemne, qui ne le prend jamais par la main, mais qui pourtant l'entraîne tout au long d'un récit avec une grande subtilité, une grande élégance. C'est un film qui prend au trip, c'est un film qui ne vous laissera pas indemne, mais franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir La Belle et la Meute de Kauter Benania. C'est un film fort, c'est un film dense, et c'est un film qui est vraiment puissant et qui prend au trip. Donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez sans la moindre hésitation. C'est vraiment le genre de film qui, qui transporte et qui fait mal mais dans le bon sens. A plus